C'est vrai, bonne idée. Par contre, attends, je vais peut-être lui demander de peut-être Au mettre un moins, il y a petit lui. peu plus les graphismes de son jeu, peut-être ça va me changer. C'est bon là, t'es contente? T'es passé en live ou pas là, Dark? Non, 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 du tout. Ok. C'est bon quoi. Ok, il met la pression pour que je stream et tout. C'est quoi cette team là? J'ai joué 10 minutes en créa là et je vais devoir faire un tournoi solo. Putain. Bon, je vais pisser, genre. Et y'a Zox, toi par contre, tiens, ouais, t'as une qualité plus plus, mes couilles plus. Plus, pourtant j'ai mis qu'en 720, hein. Mais j'ai mis, ça va être du 720-60, normalement t'auras aucun bug. Bah, Nexus c'est pareil, 720-60, par contre Aux, Hein. 720-60, bah ouais, on est là! L'un. On est là! Vu le 1080-60, ça, c'est moche. Ça va laguer de Je ouf, en gars, confirme. parce que là il est en créa, tu vois, donc. Enfin. En plus, en Bah plus! ouais! En fait, tu vois, juste, c'est tellement moche que je vois pas sa barre de vie. Je vois pas, il y a combien à côté marqué? Il y a marqué 100, 80. Je sais pas, je vois pas, moi je vois 200. Y a juste bah, pour voir la qualité, quelqu'un, Yazox de Nexus, pouvait aller en créa juste 2 secondes, Ça s'il y a fait moyen. une demi-heure que j'étais en train, enfin une demi-heure. Tout est relatif. Mais gros, je Bon, suis je crois qu'il y a parti un bon grind délai, je crois qu'il y Electricity, il a doit être là. Ouais, par contre, faut que tu désactives le délai, hein, 6, Yazox. 7, 8. Bah non, mais il y a les 8 secondes. Non, c'est normal en vrai. Si tout le monde a eu. En fait, faut que vous ayez les trois, bah, le même délai. Non, mais Comme ça, il n'y après, a pas s'il de y a merde. 5 secondes entre les POV, c'est pas non plus ultra. Enfin, Oui, ça dérangeant va, quoi. bien sûr. Faut juste pas qu'il y en ait un qui ait 30 secondes de délai quoi. Ah oui, c'est toujours pas venu Vogue Dans un depuis moment, tout à j'ai l'heure, pas de c'est délai moi. fou là, il Je est regarde dans mes tamponné. paramètres. Il faut qu'il vienne Vogue, hein, Ox, là, dis-lui. S'il y a du délai, je rigole. Non, il y a pas de délai. Je rigole pas du coup. Oh dommage. Regarde Yazogs, regarde la pauvre de Yazogs, regarde la pauvre de Ox. Ah, il est immonde. T'as vu ça? C'est quoi ça, ouais? Yazogs, t'as vu, c'est que tu vois les HP, tout ça, c'est clean. Là, tu vois R. Ah mais c'est en combien? C'est pas en 1080 là, J'ai gars, mis en mais. 1080 60 FPS, quoi. Mais quoi? Mec, mais les pixels. T'as vu, On alors voit que les. Yazogs, je suis en 720. En 1080! En 720, Yazogs. Hein. Ouais. C'est bon, pour ça que Ox faut qu'il. Soit il monte peut-être les paramètres graphiques de son jeu pour que ça fasse quelque chose, mais ça va laguer Ça. plus. Mais faut qu'il C'est vienne en quoi les vocal. paramètres graphiques de son jeu? Non, je pense pas que ce soit Non, ça. ça arrive. Il venir en vocal. Faut juste qu'il stream en Non, 480p et qu'il arrête de faire chier. Non, je lui ai dit de venir en vocal, Ouais. genre, mais. C'est Vas-y, attends, parti. JD, attends 2 minutes. Hein. Ton stream est dé. Allo? Ton Allo, stream il Ox? pue. Ah ouais? Ouais, ton Ok, stream avec il les. Soit tu La qualité est ouais, faible. mets en moins bonne qualité, soit tu. Je sais pas, tu. Comment on met Tu ça? augmentes. Ah, y'a Je sais le code! pas. Oh putain! Pardon, j'ai un Mais je suis petit au salon. Attends, je mets le code, je le mets dans la file après j'arrive. Putain, ouais. Là vraiment c'est pas beau, je suis désolé mais je m'en mets Vas-y, 1080. coupe-le, les gens vont quitter le stream. Bon, je ça, pourrais tu pas peux du dire, tout, mais j'ai y'a tout Zog, volé, y'a Rachel. Ah tu non, 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 non. Quoi? Non, non. Je pourrais pas modérer le chat du tout. T'inquiète. Ok. Donc Bon. vas-y, qu'est-ce Non. du coup. Comment on baisse la qualité du stream? Ouais, tu demandes à ceux qui stream sur YouTube là, moi je sais pas. Ou sinon Vous êtes hors de quoi? peut-être t'as quoi comme je sais pas comme paramètre Comment on graphique baisse la qualité? Attends, je vais voir si c'est Tu genre baisses en la résolution et 480p, tu ça fait baisses quoi? les données que t'envoies. Enfin, surtout la Pareil en résolution fait. apparemment. Non, j'allais jouer en solo Donc normal en fait, comment on je fait joue ça? même pas à l'arène, je suis débile. Alors tu vas dans tes paramètres. De J'ai Streamlabs? 63 gros. Hein? De Streamlabs? Ouais. Ok. Mais je te vois pas aller. Stream? Ouais, attends. Paramètres. T'as deux trucs à changer en fait. Paramètres, tu vas Vidéo. dans Attends, je sortie. vais Tu stopper mon fond d'écran derrière parce que vas gros, dans il va. vidéo, ouais. Je désactive tout ce qui fait lag. Dans quoi vidéo? Ouais. Skype. Ouais. Tu décales. Ah, faut que j'arrête le stream avant, non? Oui. Ah putain, Non, ah ouais, du coup, ouais. Arrête le stream mais c'est pas vite. grave, je suis toujours sur sa Ouais. pauvre, donc j'ai ça. T'es bien Ok, en vidéo. bicubique pourtant. Et après, je mets quoi en résolution? Soit du 720, Mais soit du 1000. 480, mais. Ouais. 1720. Quoi? Ouais, Ouais, mets ça. 720, Mets oui. ça, dépêche.
1280 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 1
3 fois. Repars dans les paramètres. Mais ce serait stress. Non, c'est adapté à l'écran. Mais gros, j'ai. Et t'as pas le truc. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais je sais. C'est juste dégueulasse. Ok. Vous me dites quand ça lance, les gars. Dites-moi parce que là, j'ai pas du tout. Tu peux lancer le stream Dark. Il est 55. C'est bon l'impression. Alors, je regarde les derniers. Regarde les paramètres avant. Il y a un truc que tu peux changer. 3000, 1080, 60 FPS. Non, plus haut. Sortie. En bas, t'es en quoi? Blue, arrête. Y'a pas marqué. Ah ouais, t'as même pas réglé ça. Va en haut, tu vas dans avancer. Tout en haut. Il y a simple, avancer. Ouais. Et le débit, bah, tu vas le laisser comme ça en fait. Mets-le à, mets-le à 3000. C'est bon, je l'ai terminé. Mets-le à 3000. 100 000. Oui, 100 000, c'est ça. Il y a quelqu'un qui peut. 3000. De quoi, 000. Dark? Quelqu'un peut ouvrir la qualité du stream si ça passe. C'est bon? Ouais. La qualité du stream sur. Ouais, tu vas, bah, tu vas sur avec une autre chaîne. C'est bon, ouais, c'est bon, vas-y. Là, normalement, c'est bon. Et là, non, ça va pas marcher du tout, tout va péter. Celle de Yazog, ouais, ça va. Quoi, allez, ça va. Come on, boys. Comment ça, ça va? C'est un peu pixelisé, mais. La mienne? Mais en fait, tu es à fond sur toi, donc. T'as lancé? Je peux mettre en 1100. Ah, mais nous tous en. Attends, ah, ok, j'ai peut-être pas mis en 1080p pour ça. Mais tu stream sur. T'es en stream là? Non, si, c'est bon, la qualité. Ouais, non, c'est bon, là, sur Twitch. Ah, ok. Ensuite, Yo. Et Ox, ben, bah les gars, j'y vais moi tout. Bye. Là ça gère là. GL. Ouais, bye. GL. Ok, ok. Et Ox, ben là. Pourquoi ça se connecte pas au logiciel là? Ox, ouais, tu lances ton stream et c'est bon. On aura les télés de preuve. C'est super ça, la pub. Super hein. Ah mais. Et Dark, n'oublie pas, dès qu'il y a au moins 5 personnes sur le live, je lance une pub. On s'en bat les couilles ici, on est en plein tournoi. Mais. Et Dark, n'oublie pas, dès qu'il y a au moins 5 personnes sur le live, balance une pub. On s'en bat les couilles ici, on est en plein tournoi. Putain. Allez, Ox, allez. Dites-moi quand ça. Et regardez mon skin, ça se connecte pas. La dure vie de Ox. Moi j'ai pas ton stream, Ox, hein. Y'a pas de. Tu stream pas. Oui, bah je sais, mais normal, ça ne se connecte pas. C'est bien ce que je dis. Allez, Ox. Alors, il y a Nexus live, il y a moi et un autre gars, cool. Ça commence, hein. Loulou. C'est le début du succès, mais... ça. Ah oui. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne marche pas, quoi. Parti pour se faire défoncer la gueule. Arrête. Ah non, j'arrête. Parti avec espoir. J'ai pas joué depuis un mois. En mais frérot. Mais c'est bon. Même si c'est moi qui avais fait le meilleur résultat la dernière fois, là je suis pas là. C'est pas pareil. Hein. Mais bon, tu stresses. Je stresse pas. Je dis pas que je stresse. Je stresse pas, je vais juste me faire éclater. C'est bon. Allez, je stresse. Dark, c'est bon, ça arrive là. En fait, faut aller avec la confiance, tu vois. Genre, c'est bon, Dark. Imagine que tes collègues sont avec toi, tu vois. Et à la limite, tu fais des alliances. C'est un plein Nexus ou. Ouais, je suis en stream là. Je suis en stream là, Dark. Oui, t'as raison. Au pire, essaye de streamer, je sais pas. Ouais, un alt tab sur Twitch. On parle de YouTube. Hein. C'est moi qui vais me faire streamer, tu vois. Ouais. Non, c'est bon. Ton stream. Puis à la limite, si on soupçonne du stream hack, bah, on relance, la cache avec PV. Ou bien on rajoute 100 points quoi. Au pire, on va flame stream, là. Le gars et le ban, tu vois. Ouais, on peut être sûr. Il y a deux spectateurs là. Ah. Bah, oui, bah là, on est deux, il y a moi et Yazog. C'est bon, je l'ai chopé, c'est bon. C'est ta gueule. C'est bon, je l'ai chopé, BG. Je suis là. Ouais, je fais des séances, si je bug au bout de la game, j'arrête le skin direct. Hein. Si je vois que je commence à bugger beaucoup trop, j'arrête le skin direct. Oh, je m'abonne tout de suite. Alors, il y a celle de Ox, Yazog, Nexus, ouais, tous les joueurs qui sont sur stream sont là. On peut commencer, il manque plus que le reste. Disons.
On est pas full là? The fuck. Oh, je, je vais changer de skin juste avant la fin. Du coup, ceux qui animent, ils restent là. Changer de ah non, pas, je me mets en sourdine. Pas besoin. Je me mets en sourdine, ouais. Non, 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 vaut mieux quitter, comme ça tu l'aggraves moins. C'est ça, ouais, tu vas vraiment ouais. Laguer, je pense. Pardon, okay. Tu fais la gueule comme si j'allais. Pardon, excusez-moi, je vous prends un peu de haut. Non, mais on parle à haut. Le mec, il a la fibre depuis 3 jours. Le mec, hey, vas-y, commence pas, toi. J'ai la fibre. En vrai, la Rogue, ça va, la qualité, ça va. Ça va ? Excellent, mais ça va, ouais. C'est pas pire. Oh, mais j'avais prévu, j'avais prévu. Prochaine fois, par contre, justement, 1080. Bon, là, je vais voir si. Non, je vais me calmer, là, je vais voir si ça va en game ou quoi. Mais si tu veux, je peux ouais. Me mettre en 1900. Non, c'est pas une. Ah si, allez, vas-y, regarde. 1920. Tu peux me mettre en 140p si tu veux. Hein. Là, c'est plus joli normalement. Je. Tant qu'à faire. Car ma pauvre. Attends. Bah si, va voir ma pauvre. Elle bien, elle va voir ma pauvre. Putain, mais dis-moi que c'est en retard. Hein. Mais Sky, il est toujours pas cool. Hein. Ouais. Petit problème. Je pas trop cadré. Hein. Ouais, je sais, normal, il faut que je règle à cause du truc. À cause de moi, là ouais, Sky. Hein. Ouais. Ah ouais d'accord. T'es un gros Stan et Sky. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Mais les écarts de. C'est le stream de Yazok qui déconne parce que l'image est beaucoup trop serrée. Mais vous êtes ouais, casse-couille. Ton stream il est serré. Mais après c'est ton stream. C'est toi qui dis ouais pas problème de lag. Ouais, pas c'est de bon, lag bon, mais repars dessus. Il monte là. Repars dessus. Il est normal l'écran. Il est trop beau. Non 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 mais gros je l'ai à côté. Il est il est carré. Mais il est pas carré là. Il est normal. Là il est normal. Là il est normal. Là il est normal. Yazok c'est claqué. Mais vas-y à côté de toi là je dois tout refaire là. Putain. T'inquiète t'as, c'est toi t'avais pas à toucher genre tu me dis y a un problème. Quoi? Ça le slag gros. Si ça rebug en game je change. Non mais c'est tranquille, regarde je suis obligé de refaire là, oh là 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 là. Je te vois pas donc c'est bon. Je te vois bouger le truc en mode. Oui je bouge doucement donc comme ça je. C'est bon pour me faire pardonner je vais m'abonner, c'est bon j'ai compris, allez on s'abonne. Allez. Là c'est un sub tier 3 là, les 50 balles oh, les donnes. Pas abusé hein. 50 balles. C'est pour la team ça, c'est pour la team. Bien c'est sûr, pour la cohésion. Tu peux le faire BG. Ok pas de problème. Cohésion de groupe, cohésion de groupe. Ouais, putain, franchement, je sais pas, j'ai envie de faire les FNCS ou la SQ. Non, ils vont t'assommer, frérot. Ils vont te fumer, gros. C'est une droite. Oh, trop bien, il y a une réduction. Le mec, en bon milieu de la cup, il va quitter la partie, il va partir sur Fortnite. Je sais. Sur Minecraft, putain. Yes. Ouais, d'ailleurs, quand vous voulez, on se fait un live Minecraft là. C'est moi quand ça commence. Hein. Bien sûr. Un live loup-garou, BG. J'avoue. Non mais je pense déjà dans un live où il y a Nexus. C'est bon, ça va lancer Yazog. Ouais, attends, regarde, je prends mon abonnement Astra et j'arrive. Prends ton temps, mec, prends ton. Ah mince, ça lance. Oh, je peux pas. Ah, je suis obligé de me. Oh mince. Ah, ah zut. Merde. Oh non. Oh. Quel dommage. Qu'est-ce que c'est con. Hein. Bon, vas-y les gars. À plus. Ouais. Vas-y. Good luck à tout le monde. Bon, normalement, j'ai pris. Gel. Couchy. Yazog, là, va-t'en. Non, c'est bon, j'ai pris l'abonnement, plus, c'est bon. Voilà, j'ai pris l'abonnement. Allez, salut. Il a pris la voix. C'est bon pour se faire pardonner le pauvre. Allez. Yes. Yazog. Yazog qui paye. C'est parti pour se faire défoncer. Allez, avec joie. Bien sûr, toujours. Allez. C'est parti. Oh non, j'ai bugué. J'ai pas d'armes. Ah bah
super les pistolets verts. Hein. Oui, non. Ouais, je t'avais donné. Hein. Ouais, ouais, non, mais j'ai compris. On en a là, il y en a un autre qui est vers le skatepark, je pense. Ouais. Est-ce que je vais me barrer, hein, de toute façon? Tout là-bas, là. Yes. Bravo. Zone à peu près, faut du métal. C'est un peu la map en ce moment, c'est chiant. Plus de vote, non. Chiant. Je sens qu'il y a un mec qui va arriver sur le moment.
Ah, c'est l'horreur, ce type là. Je viens de push au milieu de la game, quoi. C'est quoi ce... Oh, c'est un agace. Non, ça va pas screen. C'est pas screen là, parce que c'est bon. Quelle merde. Bon, stop, non. Ça a pas pris, Fortnite. Non, ça l'a pas pris, bah super. Image. Ouais, ça l'a prise. Quel jeu de merde. Putain. Tu parles pire des merdes. Un enculé. Voilà ce que c'est. Tué par un fils de pute. Oh là là, ça m'agace ce jeu. Vraiment, c'est nul, c'est pour les cons. Pourquoi je joue à ça, moi? Error. Error. Oh. Error. Error. Chier. Quel fils de pute là, c'est bon. J'en ai marre en fait, genre. Comment tu peux jouer? Encore des potes. Ouais, 6.
FNCS Calif 3 en cours. On va savoir quel Discord. Du couper mon son. Hein. Je vais couper mon son de. C'est... Voilà, plus c'est Boss, GL et Fedette. C'est insupportable. En solo, ouais, je sais pas. Je sais un peu que c'est beaucoup plus compliqué qu'en triant. Je vais pomper poteau. Hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide de répliquer qu'un pompe auto que la pompe à charge. Genre, je peux faire des edits, mettre la balle direct et réédit alors que la pompe à charge, non, c'est beaucoup plus compliqué, tu vas forcément prendre la balle. On va rester sur Nexus pour Command C, on va voir où il spawn. Mais... Je pense qu'à part un pompe à charge en or, je comprends rien. Enfin, sauf si j'ai un... C'est reparti pour la game. Enfin, genre j'ai un pompe poteau. J'ai un pompe poteau vert, bleu ou volant. Je prendrais un pompe à charge vert, mauve, tu vois. Une fois les pauvres de mais Nexus. Si j'ai un bug, je prendrais un pompe à charge en or ou en mythique. La Hox, on a un peu réussi à régler le petit problème de. Un peu même l'or, je sais pas. Parce qu'en vrai, l'or il met des sales dégâts aussi. Hein. Il va voir. Ça va être plus et en fin de zone, je trouve que c'est plus facile de jouer pompe à charge qu'en late game. Ou non, en mid game, pardon. Je vais faire un truc du biais quoi. En plus, Mikuzo il moline. Et genre, je mets un escalier, ça fait escalier jaune. Genre, c'est. Ah oui, je reviens. C'est génial. Vas-y. C'est un réel plaisir. On attend le lancement de la game. On va voir les petits spawns. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, mais je comprends pas pourquoi il a tenté ça alors qu'on était pas en zone. Il y avait un mec qui était en haut de la montagne qui aurait pu. Totalement nous jouer, je sais pas ce qu'il a formé en haut de la montagne, mais il a rien fait du tout. Il y avait des mecs qui bougeaient en face, ils ont même pas tourné le regard, gros. C'est n'importe quoi. Franchement, ne pas prendre un pic sur Kuzo à ce moment-là, c'est vraiment bête. Je sais pas si la première focus ça peut ou pas, mais ça m'énerve juste les mecs qui jouent d'une manière totalement débile. C'est bon. Il y a des gens ils sont dit ouais, ouais ben les classements c'est pas je suis à boire alors. T'inquiète pas grave tant que ça a pas commencé mais ouais. Non plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi, ça joueurs, fait longtemps ça cool. Casse les couilles. Après je suis pas fan de la solo non plus donc bon. Bon bah j'ai gagné 2 points. Hein. Non 3. 3 ou 2, je sais plus. Je crois que j'ai gagné 3 points. Je suis top 54. Donc 1 point entre 75 et 66, 1 point entre 55-56 et 1 point entre 55-41, donc les 3 points. En fait tu fais un top 10, c'est quand même rentable, hein. Donc bon, je comprends pas pourquoi les mecs ils s'acharnent à faire des kills. 82 personnes dans le lobby. Vous êtes totalement abusé. Allez, ça se remplit. On devrait se lancer à 40. Que veux-tu, que veux-tu? Ok. Quelle heure là? Putain, mais y'a ceux qui sont pas au spawn. Ok, let's go. Yep. C'est bientôt parti. Don't stop it right before.
trop compliqué, mec. En même temps, j'ai pas eu la zone une seule fois, mais tu sais, j'ai pas une vergée, la zone était à Slurpee. Génial. What the fuck? Je reviens 2 minutes, Blue. Vas-y, mec. Tout ça, gars. Ah. Oh, je pense que j'ai pas poteau. Hein. Il y a un nouveau follow, merci, mec. Plus j'ai réfléchi, plus je me dis que pour poteau, c'est plus worse. Faut que je lance mon streamer aussi, je suis rien. Je l'ai oublié. En tout cas, y a pas mal de gros noms qui sont morts au début, donc ça va, c'est largement rattrapable. Merci Xon209 de ton follow. Il y a eu d'autres follow aussi. Il y a eu Hugo, merci de ton follow. Il y a Zach qui a pris l'abonnement, ça on s'en fout un peu. Du coup, je crois que Stan et Sky vont pas faire la queue. Je pense que Stan et Sky vont pas faire la queue, pour en tout cas s'ils la font, j'ai pas l'impression que c'est pour maintenant. Tu peux avoir un imprévu. C'est dommage, on perd deux pauvres quand même. C'est dû que si on meurt à 3 au spawn, bon. Sens-toi, Yazol. Bon, je vais essayer, je crois, je sais pas si je conteste Tarek ou pas. Good luck. Ouais. Je conteste Tarek. C'est quoi? Pas du tout, moi. Peut-être qu'il a juste été choisi pour un cap. Ouais, je pense que tous les 9, tous les gars qui sont pas arrivés dans le truc solo, ils ont été forcément qualifiés. Et forcément là, ce sera aussi, je crois. Parce qu'à 3 y a le pareil, je pense. Yes. Ah,
force l'attaque par contre. Garde-corps. Oh, y'a personne. Il t'arrête qu'il est pas là ou quoi? Il a pas proc? Il t'arrête qu'il a pas proc ou quoi? La merde, pourquoi il fait ça? C'est vrai. J'ai un bon poteau bleu, en vrai je suis giga bien. Je sais pas, attends. Je vais prendre des spots, je vais des deux gros spots. Je vais le 50-50 pour essayer de full luck d'avoir le coup avant l'autre. T'as peur de Nick maintenant. T'as peur de Nick. Tu comprends, t'inquiète hein. Allez, merci, c'est le premier. J'ai les trois petits matelas, j'ai ma petite rota. T'as mis un mec qui fout ici, je sais pas. Je sais pas c'est qui. Genre même à l'époque où est-ce que je le spawnais ici, y'avait chaque fois un mec qui spawnait le petit camp en bas. Et je crois que je savais pas c'est qui. Bizarre, c'est que le mec il spawn en haut, mais sauf qu'il y a, y a un petit garage en bas, il y a des coffres, mais il y va jamais. Du coup, je sais jamais qu'est-ce qu'il compte faire, je sais pas. Oh, ça se met encore. Ça se met encore, Cathy. Je vais t'en poler un vite fait, le temps que Cathy se fasse un spot parce que je sais pas. Je fais cette backstop mais bon. J'ai pas envie de. J'ai pas trop envie de fight depuis qu'il y a un kill et tout. Je crois que le mec de Cathy vient me rush avec son truc là. Yes, Nick, ceci a fait un kill.
parce que je vais contourner Flexi. Je prends le haut de la montagne, je vais voir si je peux prendre un pic ou pas, si je me tiens encore en fait. Je me fais ça pêche au loin, je peux pas. J'appelle dans la tête, parce que tu me tiens avec le choix, mais c'est pas grave. Il y a encore des boss ? Ouais, il a ouvert le. D'une cabane. Ce qui est un mec qui rentre dedans, tant pis pour lui. Allez! Enfin, j'ai pas activé mon son, mais. Dio live de Dark, bon, ben. Ça se termine comme ça. On va essayer jusqu'à le top 25. Oh non, mais j'ai pas la zone! Il a lazy la zone, oh la sauce! J'avais dit, j'ai trop peur d'aller dans le coffre au cas où. Imagine le mec il l'attend, parce que ça m'est déjà arrivé ça. Les mecs ils attendent, ils ont déjà ouvert le coffre, ils attendent que tu viennes pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Et que, oh y'a encore, ça se bat encore dans les... Oh mais y'a un mec en plus encore. Ah non c'est des bots. Ok. Non les bots non c'est mort frère, t'as ouf quoi. Ça c'est encore moins de ça tirer en focus ça. Ils sont trop chiants frère. Les bots ils m'obligent à faire une rota plus longue que je dois faire. Non. Je vais me faire mais quoi ces bots. Oh non mais ils m'ont vu en plus ces salauds. Oh ils ont vu un autre mec. Oh Yassi il a plus focus à ma place. Et je me casse avec l'eau. La salaud est. Oh, y'a un drop à lazy, ils sont même trop en vie, mais 100% avec des lazy, pas les chips de pécho. Ça va. Ça reste un drop. Bah ben voilà. Lazy. J'ai juste en train de tuer dessus. On est passé. Je suis pas mid zone mais bon. Ça fera l'affaire.
Avec un peu de chance, ça se met avec moi. Putain, mais j'ai pas la zone. Elle est en haut de la montagne. Sérieux là? C'est un plaisir en fait. Sinon je peux contourner par le dessous et débarquer par là-bas. J'ai un caillou à 900 mais qui me donne pas de briques. Oh, j'ai trop le seum. Si je me pose là, je récupère toute ma brique. Pas du tout. Les bots ils doivent être chiants. Oh, les bots c'est le pire mec. Oh il s'est pris une balle, deux snipes frère, what the fuck. Oh il va se prendre un focus. Oh le pauvre il se prend un focus. Oh mec c'est n'importe quoi. Oh j'ai toujours pas la zone mec. C'est un truc de ouf. Oh vas-y non je vais mourir ouais. Zeken mais quoi mais je tombe que sur des gros loups. What the fuck. Oh mec c'est bon j'ai trop la chiasse mec. Oh je joue trop mal. Vas-y j'y réfléchis pas assez. Oh,
Oh, j'ai zéro luck. Thank you.
Faut que je fasse une bonne game là la prochaine. Top 10 minimum. Espérons que la zone soit avec moi pour le coup. Que je roule, que je roule des pads. Putain, en vrai j'aurais pas dû essayer de garder mes... mes trempeaux. Ben, oh. la prochaine game. Donc à tout à l'heure. À toute. 3 kills monsieur. Oh, hey. Dans la vocale là, ils ont rejoint. Ouais. Ah nickel. Yazox, ah, la dernière petite edit là qui a choc. La porte. J'avoue. Ouais, tu l'as bien édité juste avant, oui. Mais bien joué, t'as fait. T'as enchaîné les deux kills. Hein. C'était très bon. Ouais. Non, mais ouais, oui. T'as enchaîné les deux kills, c'était vraiment très bien. Ouais. Oui, j'avoue. Hein. C'était bon. Ouais, non, donc là, en fait, si tu peux limite. Attends, je vais pas lancer une. Aïe, Nexus, tu peux lancer une avec un MP90. Le troisième kill, si t'es sur Abs, du coup. Je le fais. Je peux balancer une. Ah. Bah, vas-y, parce que t'as les droits, là. Mais en fait, je suis pas sur le. Attends, c'est sur le Twitch du. Comment ça s'appelle sur le téléphone là. C'est ça. J'ai juste la clé sur le téléphone. Enfin, sur le. L'ordi, pardon. Je peux pas lancer. Attends, je regarde. Ah non, pas ça. Oh, j'ai envie de te. Quoi? Il me dit. Elle est en mode. Putain! Ah ben, oh, je suis mute. Hey, salut Dark, ça va? Putain, mais. En plein game, il fait hey, salut Dark, ça va, j'adore le stream et tout. Il me suit. Putain, mec, gros, je fais deux games, je meurs par Quizzo et Zeken, quoi. Vraiment, ma luck, elle est maximum là. Gros, je fais deux games, la zone elle est à l'inverse de moi et. Ouais, là par contre, t'as mec, tu vas te refaire. Gros, je suis pour tout le monde, hein, méga glow up quand même. Hein. Ah oui, totalement. Yazox qui a réussi à choper ses 4 bons kills. Nexus, 3 kills, même s'il est mort à la fin parce qu'il devait absolument all-in, il avait plus de bulles, donc il a dû rusher. Et il a all-in une box, il l'a tué, sauf qu'un autre mec l'a all-in, donc bah il s'est fait ouais. À la fin. Toi t'as fait un bon kill au début, t'as bien joué, et après ouais t'as un peu chié. Nexus m'a all-in. Mec, ouais. je pensais pas qu'il allait me rentrer dedans direct quoi. Putain, j'ai failli mon spawn, y'a Yorim qui me conteste, nice. Parti le délic off n'importe où frère. Vous savez qu'est-ce qu'on a des Kaizen là? Il est où Nexus? Il a rejoint ou pas? Non, j'ai mal. De toute façon, c'est la fin. J'allais dire pour host, mais non, parce que c'est là, en fait, la game elle est finie, la limite. T'as balancé la pub? J'ai que 7 points là. Vas-y, Blue. Je veux pas, faut que j'attende 10 minutes. Ah, d'accord. Bon, ok. Hein. Allez, montrez-moi sur le build, là. Regardez-moi ces mécaniques. Regardez-moi ça. Regarde-moi ces mécaniques. Mécaniques, ma gueule. Non, mais. Ford, hein. Putain, la vie, je vais changer de skin, c'est bon. C'est le skin qui me fait de l'unlucky, là, c'est bon. Oui, Ox, oui. Ouais, t'es caté. Non, ouais. Je te jure, après avoir changé de skin, il va te dire, ouais, mais c'est la pioche qui me rend le key, ouais, mais c'est sac à dos. Non, mais j'ai tout changé, là, gros, j'ai tout changé. Il est où, ça snuque, ça? Je suis sûr, en fait, j'ai l'impression d'être plus le gros. Mais sur deux games, je meurs par deux gros joueurs. Et en plus, j'ai pas la zone tout le long d'une affaire, gros. À zéro moment, j'ai eu la zone. Ouais. En fait, on t'entend sur le stream de Yazox. Oui, très clairement. Ouais. Parce que, quand même, on était sur ta POV, on entendait. Hey, Dark!
the entire world. Look how long it is. This pizza is literally 6 feet and taller than Carl. My ego shattered. It just doesn't stop. It's still going. It's still going. It's so big. And this is Joey Chestnut, the fastest competitive eater in the entire world. I'm hungry. And not only does he hold the world record for hot dogs eaten, but he has so many more. Here's a quick montage of it. He literally holds the world record for holding the most world records. This guy is insane. And before we eat 18 pounds of pizza, let's see how much Chris, Chandler, and I weigh. Combined, me and the boys weigh 537 pounds. We should be easily able to out-eat Joey. We're big boys. He only weighs 229 pounds. What? Well, that's a big mama. Mr. Joey, here is your world record slice of pizza. I'm really hungry right now. This looks good. This is 9 pounds. It's like you're eating Chris's baby. Yeah, I'm bruh. We're doing what now? And this is our slice of pizza, boys. It is massive. If I eat the crust, I'm gonna... Me, Chris, and... Well, like I showed you before, Joey is a monster. He could probably out-eat 10 people if he wanted to. Even if we are constantly stuffing food in our mouth, I don't think we'll be able to go as fast as him. No. It doesn't make sense. I agree, guys. You might be thinking, there is no way this one man right here can out-eat us three grown men. This isn't any ordinary man. Joey Chestnut is a freak of nature. He is literally the best eater in the entire world. It is now time to begin. Joey, give us a countdown from five, and let's start. Five, get four, ready, boys. All right, get ready. Three, all right. Two, we cannot let him out-eat us. Go! Eat. All right, what do we do? Okay, all right, so he's starting off by cutting. What the freak is he doing? This is as fast as I can eat. He's literally beating us already. There's three of us. I've almost got a slice now. Wait, so he's doing a foldy thing? This is so heavy. Oh. There's no way I can do this, man. I'm already full. Right. That's disgusting. Oh my God. It feels like I'm eating a rug. He's eating way faster than I thought he would. Go give him a violation. I don't know. Just go stop him. You're not cutting it thoroughly. There's not enough cutting going on. I'm going to need you to... Nope. God, he's not listening to me. I don't think he knows I'm here. He's in the zone. He's like a great white shark. I'm not going to lie. I don't want to swallow the food that's in my mouth. It is much easier to take a bite and take a sip and eat it. Yeah, but it tastes so bad. There's no way you're doing this. I'm about to barf, my stomach feels so full. How are you still eating? I honestly didn't consider that. I know I'm a ref, but I'm here to bribe. How about 10 grand? And you stop for 5 minutes. But I need you to acknowledge that you can even hear me right now, because I can't tell, I'm not gonna lie. Oh, that's a no. That's the most ferocious no I've ever witnessed in my life. He came into this wanting to kick our butts, and he's gonna kick our butt. I'm gonna take this away before he soils it. So I just wanna remind you, this is literally 9 pounds of pizza. It's like eating 10 pizzas by yourself. Words cannot express how full I was feeling. You still got quite a ways to go, Joey. Are you gonna be able to finish this? I'm gonna finish it. Really? You guys aren't gonna finish? No way. You can't give up. No, we're doing it. I don't see how you're gonna do this. You would think being a competitive eater is fun, but... This sucks. Yo, you guys gotta stop talking and eat. Look at this man, he's almost done. Yo, I got the pizza sweats bad. I don't even really like pizza that much, I'm not gonna lie. Same. I'm never eating pizza after this. This is making me angry. I can't eat pizza like this. It's incorrect. Oh my goodness. Look how much he's eating. He has like 2 feet left. So his pizza is this long. We still have twice as much pizza left as him. We're not even close. We're tagging you in. We have 4 people now. Okay. Eat away. Bro, you're gonna get sick. Guys, let's try to get a second burst. Let's try to catch up. Oh, I've taken 3 bites. I don't even... I'm gonna eat over the trash can. Who would have thought the world's best eater is really good at eating? I had no choice but to bring in another helper. There's no way Joey can out-eat 5 people. Tyler, come on in. Thank you. I'm actually really hungry. Tyler, do what Joey's doing. Oh, no way. Hey, Tyler, if you don't mind, can you not slobber over our pizza we have to eat? We're trying our best, I promise. I really feel like I've eaten more than everyone else. There's more pizza on your hand than everybody else has eaten. Joey, smell like slowly. Oh, my God. Dude, Tariq, point this camera at the side of his stomach.
His stomach. He was skinny before, and now it's like out of here. He has 10 pounds just chilling in his stomach right now. He's literally about to finish. I've probably eaten 10% of what he's eaten, and my eyes are watering. I'm crying in pain. I can. Who wouldn't be happy to call this place home? Honestly say, this challenge was harder than counting to 100,000. I won't go home. I'm gonna go poop. He's not gonna come back. Chris, what's going through your stomach right now? Pizza. It's going down a little bit slower than I thought it would. But I'm not literally as bad as them. Dude. We're trying. I'm in pain. This is Tyler's friend Jackson. I'm tapping you in, go. Jackson is bringing the velocity we needed. That was literally completely in Tyler's mouth. He was doing so well, Carl. His stomach has to be full soon. Let's all kick it into hyperdrive. Now, I know this looks bad. All of us getting out-eaten by Joey Chestnut. And honestly, I don't know how to explain this. I guess there's a reason this guy literally holds 50 world records for eating food. He's really good at it. Boys, I brought even more help. Head on in, Dustin. There's now 7 of us going up against Joey. He's only got that little much left. Whoa. If we manage to beat him, I'll give you guys $100,000. All right, bet. I'll get on the ground. I should have done that sooner. We might have won. Hey, Jimmy, how you feeling? I don't feel good. For our safety, slow down. We're going to die over here. Come on, guys. Finish it. Go, Joey. Yeah. Taylor's the only person to ever cheer for the opposite team. Hey, he's the winning team. Think about this. He had a 6-foot giant slice of pizza, and all that is left is this few inches right here. Guys, I hate to admit it, but I think we just lost one final bite. Done. Oh my God. It was rough, but I found a rhythm. Kept using the water to get it down, clearly. Oh, we gotta weigh him. We gotta weigh him. Oh my gosh, yes. Before we started, we weighed him, and he weighed 229. Let's go see what he weighs now. That was one of the hardest challenges of my life. Step on the scale. Let's see how much weight you gained. No way. He weighs 250 pounds now. Let me go grab something from the back. Joey, step on the scale. 250 pounds. Joey, you literally gained 21 pounds. It was a hard challenge, but it felt good knowing I was gonna finish it. Towards like when I got to that second half, I was like, oh, it's going down. And when you guys kept adding more people, it was encouragement. Oh, really? Like, oh yeah, that felt good. You literally have 21 pounds of pizza in you. Like, just how does that feel? Feel kind of bloated, feel tired, exhausted. It's gonna take some recovery time. Before, we weighed 537 pounds, as you see here. And now we weigh 547. We put on 10 pounds. But we still lost. And to celebrate Joey winning, I made him this pizza trophy. Here you go. Oh, baby. It might not be as cool as all those belts and trophies you currently have, but I hope it means a lot. It's one of the hardest trophies I've ever had to get. I've never had to work this hard, but it was fun. Thanks for coming out. Thanks for having me, guys. Now, if you want to be in a video like this in the future, hit the subscribe button because we're going to start flying in tons of subscribers to be in more videos. I'm not even joking. If you want to be in a future video, hit subscribe. Joey is insane. See you later. Ok, je te prends pas. Vas-y, vas-y, non, vas-y, non, vas-y. Attends, qu'est-ce que tu viens de me mettre dans la gueule? Ah, c'est quand même une sacrée accusation, mademoiselle. Tu crois que tu me casses la gueule? Avec tes jambes de coq. Je sais pas, je peux dire que j'ai mes chances. Hein. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je vais me faire ban. Mais non, tu vas pas te faire ban, t'inquiète. Oh, la cour, la cour. Attends, laisse-moi parler. Ça mord, les gars, ça mord. Ça mord. Youtubeur en question. Ça mord. Moi, à la base, je parlais à mon mari. Noni. Tu parlais à qui? À quelqu'un. À ton mari? Ouais, c'est un petit délire. Code rouge, alerte, alerte. A little later. C'est toi qui fais du kung-fu? Waouh, tu te souviens de moi, mes félicitations. Écoute-moi bien. Tu pèses combien? Je m'en bats les couilles, même si ça se pose pas à une fille. Nanana. Vous voulez tous égaux, alors réponds à la question, tu pèses combien? Bah, 60 kilos. Tu crois que tu me prends? Tu crois que tu me casses la gueule? Il y a plus de 100 dos argentés chez les gorilles de montagne, mais seulement la moitié sont des mâles dominants. Non, vas-y, dis-le sérieusement. Tu crois que tu me casses la gueule? Avec tes jambes de coq. Je sais pas, je peux dire que j'ai mes chances, hein.
C'est quand même, c'est comme une sacrée allégation, mademoiselle. C'est madame ou c'est mademoiselle? C'est madame ou c'est mademoiselle? Mademoiselle. Ok, mademoiselle, c'est quand même une sacrée accusation, mademoiselle. Direct, tu vas attaquer mes jambes? Bah attends, t'attaques mon poids. N'attaque pas ton poids. Je te demande combien tu pèses pour savoir si on est dans le même range. Et on n'est pas dans le mais même range. Mais je m'en fous, mais j'ai mis à terre des mecs qui faisaient 120 kilos et 80, 1m85, 90. C'est pas le poids et la taille qui compte, mec. Bien sûr que ça compte. Bah non. Bien sûr que ça compte. Quand je vais soulever tes 60 kilos. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Tu vas attaquer mes jambes? Tu vas essayer de les prendre? Tu vas essayer de les prendre? Bah, viens chercher mes jambes. Vas-y. T'as l'air très intelligent comme ça. Viens. Donc t'as couché des mecs de 120 kilos? 120 peut-être pas, mais ouais, 110, ouais. Et t'as fait comment? Tu tapes? Non, moi je frappe pas parce que j'ai pas forcément beaucoup de force face à un mec de 110 kilos. Donc quand tu te retrouves face à un mec de 110 kilos, il faut être rapide et très souple. Ok Pikachu, vas-y, du coup t'as fait comment? Non mais je rêve. Vas-y, non, vas-y, du coup comment Pikachu a tué Robocop? Bah souplesse, tu esquives et ce qui les fait faire perdre. T'esquives quoi? Attends, t'esquives quoi? Bah quoi? Tu laisses venir, s'il fout le premier point, il se déséquilibre forcément. Après tu frappes dans les côtes, tu frappes dans les genoux et là c'est bon. Attends, tu vas me dire le mec qui t'a jeté des points? Et pour quelle raison? Bah quand t'es en randori, le but c'est de se battre hein. Quand t'es en quoi? Quand t'es en combat, le but c'est de se battre, bouffon. Mais quel combat? Mais comment ça? Doucement avec tes allégations. Quand tu t'entraînes, il faut bien. Mais donc t'as rien couché, le mec il s'est laissé avoir exprès, c'était un entraînement. Bah oui. Je pars dans la vraie vie, moi. Je pars dans la vraie vie, moi. Je vais pas me faire agresser à tous les coins de rue. Bah si. En France, tu sors de chez toi, bam, ça te tombe dessus. Donc soi disant, quand tu t'entraînes avec quelqu'un, il faut que le mec il ait les coups légers sur une femme, c'est ce que t'es en train de dire. Je vais te dire la vérité. Je vais parler pour tous les hommes, ok? Quand tu te bats contre une femme, t'es toujours perdant. Pour tous les hommes, je m'adresse. Maintenant. Pourquoi? Tu lui casses la gueule, t'es un enculé. Non, qu'on soit honnête, madame. Si tu te fais péter la gueule, t'es une merde. Bah non, je suis désolée. Quand le mec il est plus fort que toi et qu'il te met à terre et qu'il te met KO, et bah voilà, c'est tout. C'est la règle du plus fort. Franchement, y a pas de je laisse la meuf gagner. Hein. Non. Tu vois, c'est être macho de soi-disant laisser la meuf gagner parce que c'est une meuf. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec être macho, ça. C'est la faute des mœurs. C'est pas de ma faute. Mais je te rassure qu'un mec de 110 kilos, s'il s'en prend à une meuf de 60 kilos, elle a beaucoup plus d'atouts que lui. Oh, tous les mecs de 110 kilos en PLS. Mais non, mais attends, t'as plus de poids à déplacer. Il te faut forcément plus de force. Le mec, je t'explique. Il a juste à faire la technique de la baleine. Mais il y a pas d'esquive. C'est une baleine. Tu peux pas esquiver une baleine. Le mec te saute dessus. Rêve de t'amener bras joints comme ça. Vraiment t'exploser. Eh, si je pesais 120 kilos, frérotte, tu gardes les bras. Est-ce que tu les fais les 100 kilos? Non, bah non, je les fais pas. Non. Donc t'écartes tout comme ça, ok? Et tu sautes sur ta proie. Genre comme ça.
Thank you.
et on revient.
Mais la pub, t'inquiète pas, je coupe pas, mais la pub.
arrive,